sûr. On va commencer comme ça. C'est déjà pas mal. Tac. Ça c'est le pied, ça c'est le saut. Ça c'est le point. Ok. Pas mal, c'est que les mecs ils ont du sang dans la tête. Ils se mangent des coups. Tac. T'as pas fini là? Aïe. On a bien évolué hein, depuis. Hein. Niveau beat'em up, beat'em up plutôt. On a bien évolué, ça c'est sûr. Musique classique. Tac, le fouet. Allez, viens là. Eh ben, elle a pris sa vengeance. Tac, on va en profiter. On va prendre son arme après. Oh là là, oui, pas pu, j'ai pas pu. Il est vénère lui. Peut-être que je vais récupérer son arme, ça pas mal. Voilà. Non, j'ai pas le temps. Je suis tombé, j'ai paumé l'herbe. Lève-toi, petit. Laisse même pas m'enfuir. L'animation en fait prend pas mal de temps pour le donner les coups. En fait c'est cette latence qui fait la particularité du jeu. Et surtout voilà, on est vraiment sur les premiers beat'em up. Le petit chat sur la poubelle, il est aussi grand que la poubelle, hein. Le truc il est géant. Mais ils sont vénères de chez vénère. Le bidon, voilà. Le petit bidon. Oula, Mr. T là. Mr. T, il veut me tabasser. Il m'a tabassé. A tabassé le Mr. T. Eh bien, vas-y. Eh mais. Il est vénère. Hein. Il est très vénère. Si en plus la latence joue des tours contre moi, c'est mauvais.
Et même... Ça, c'est bien de l'arcane. Hein. Mais impossible. Alors, on peut pas se récupérer comme dans Street of Rage. Eh ben non, pas réussi. Il se relève plus vite que moi, quoi. De stress. L'arme, putain. La hitbox. Putain. Comment c'est dur. Comment c'est dur. En fait, tu atteins plus loin avec le poing qu'avec le pied. Ouais, bah. Sympa, il s'est planté. Mais bon, c'est pas très haut. Ah, ce passage sur NES, je m'en rappelle. Voilà la latence à chaque fois, l'animation maintenant un coup. Ouais, y a la frame d'invincibilité quand il monte. Et on avance. Tac. Je me suis planté. À rentrer dans le rythme. Allez, lève-toi.
C'est normal si y a du ralentissement. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Le jeu est en train de ramouiller. C'est le jeu qui ramouille. Là. Bien vénère, hein, mec. Il est bien vénère. Il est bien vénère. Restez ici. Oh là là, le coup de couteau. C'était l'inconvénient du jeu, c'est que tu pouvais tomber vite fait.
Et moi je voudrais faire la même chose avec lui. D'ailleurs le balancer par-dessus va voir. Non ! Deux fois de suite. La flotte. Non. Oh là, l'injustice. L'injustice quoi. Je perds de la vie en fait. Quand il me tient. J'avais déjà plus de vie. Non. C'est dans ta tête. J'y suis pas arrivé. Piou. De chance. Alors, invade the enemy base. Alors, lui, il m'attend. Et pourquoi je me suis planté là? Pareil. En fait, il se déplace plus vite. Il donne deux coups de poing.
C'était juste ça. Déjà, allez, en avant. On peut pas descendre. On peut pas encore descendre. On est obligé de se taper ces gars-là, quoi. Non? Même pas? Et une montée. Il y a Hulk. C'est Mister T Hulk. Elle est bien stressante. C'est bon? T'as fini là? Hitbox, s'il te plaît. Et là, c'est chaud, hein. Ah. Je peux prendre le camion à brancher. On est à la base ennemie là. C'est pas fini? Et les pièges là? Je bouge, je me mange en fait je mange en fait tout ça là. C'est bon? T'as pas fini là? Impossible! Impossible! Eh ben dis non. On va lui mettre des couilles. Il sort pas là? Il est pas sorti depuis tout à l'heure. Oh là là. Sérieux. C'était juste. Bah ben non, je suis planté. Mais là je passe ici quoi. L'abus. Comment? On va avancer déjà. Mettons plutôt. Mais il est vénère quoi, Mister T là. Ils sont deux, quoi. Des clones.
Oh là là, mais... Sérieux? C'est sérieux, ça? On a bien évolué hein, sur le beat'em up. Parce que là... L'infini, quoi. L'infini and beyond. Ah, c'est pas la même chose que sur console. Hein. C'est pas pareil. Hein. Mais non. J'essayais de choper le couteau, mais non. On peut pas se rétablir comme dans Street of Rage, quoi. Juste dans cette partie, je sais pas combien je suis de crédit là déjà. Prenez note. Combien de crédit j'ai déjà fait juste pour ces deux gars. Sérieux? Le jeu fait en tout son sens à deux, mais tout seul. Et tu peux te prendre en sandwich. Hein. C'est super vénère quoi. Et ben non. Peut-être prendre le couteau. Attends, j'appuie. Hein. Vous voyez bien. Si vous avez des techniques dans le chat, hein, vous pouvez. Hein. C'est pas sûr que ça marche, mais... Mais là, c'est... c'est absolument horrible. C'est absolument horrible, ce jeu. Dans cette phase-là, parce que, en fait... Parce que je mets des coups, hein. Alors, peut-être... En ayant un seul, j'arrive maintenant à gérer un petit peu mieux. Ah, on a notre petit ami qui est en haut là. Et accroché. Laisse-moi passer. Tu peux. La petite pratique si on est là. Voilà. Moi je tomberai pas. The ralentissement là. Là j'ai plus d'espace, au moins on arrive à gérer un petit peu plus mince. Je savais pas en fait qu'il y avait un gouffre tout le temps sur le côté quoi. Non, dans le dos là. Ben ça a bien vieilli le gameplay là. Ça a bien vieilli. Si on aurait aussi une Xbox qui fonctionnerait bien quoi. Oh mais vas-y. Bon, t'as pas fini. Thank you.
monsieur qui arrive là. Avec sa mitrailleuse. Ah, pas honte. La main nue là. Qu'est-ce que je perds de. Ah, qu'est-ce que je perds de ma batte de baseball hein. Je dois m'attaquer au premier à ce mec là. Peut-être. Une moins de chat avec son pied. À chaque fois. Alors, on va faire l'évolution. Après, on va se faire un Cadillac et dinosaure. Et on va voir l'évolution qu'il y a eu déjà. Oh là là. J'ai... vite faire. Et puis là, ce crédit. Eh mais c'est bon là, t'as pas fini. Même pas récupérer une balle quoi, une patte. Je ne sais plus à combien de crédits je suis là. Mais... Non, ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Ah, il faut des crédits. Même pas. Hein. Oh là là, mais vas-y. Essaye de me casser, le mec, il lâche pas. Hein. Bilou, merci pour le follow, c'est Shin... Hein? Shin Manioc, ok. Ok. Merci pour le follow. Un peu, faut me donner du courage là, parce que... entre le système archaïque des hitbox du jeu, et surtout le... système de combo en fait favorise l'adversaire. Enfin, hello, bien bah bienvenue vraiment sur la fin là. Ah là je transpirais. Alors c'est un de tes beat'em all fétiche. Alors dis-moi que t'en chies autant que moi sur les hitbox. Faut me le dire parce que... Sérieux. Parce que le jeu est sorti en arcade, donc il est sorti aussi après sur les consoles de salon. On a eu le Master System, Game Gear...
Le coup de coude est bien, ouais, mais voilà, quand t'essaies de faire... Ah oui, les hitbox, faut s'habituer. Non, c'est sûr. Les hitbox, faut s'habituer. Les gros ennemis, généralement, sont assez féroces. Donc, ce que j'utilisais, en fait, c'était d'aller en arrière-plan, de revenir au premier plan. Mais en fait, le problème aussi de ce jeu, c'est qu'il y a, il y a les gouffres à l'avant qui apparaissent. Et de temps en temps, tu penses que tu vas, ben, on va dire, taper au niveau de l'écran ici, mais non, non. En fait, tu continues et tu tombes dans le gouffre. Donc c'est bien le gouffre quand tu peux balancer des ennemis, mais là, tu pouvais balancer que dalle et c'était toi qui tombais à chaque fois. Donc j'ai perdu pas mal de vie à cause de ça. Mais bon. Je l'ai fini. Il est fini.